Cela fait 28 ans que Laurent travaille pour le quotidien Presse Océan. Depuis 5 ans, il est à Saint-Nazaire. Sa mission, relater au quotidien ce qui se passe dans sa ville. Jeudi soir, avec ses collègues, il a appris que les bureaux de Presse Océan à Saint-Nazaire allaient fermer. Eh ben, c'était lourd, dépité, un peu abattu. Et en même temps, en colère aussi, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On comprend pas ce qui justifie à la fois cette violence des annonces et cette volonté d'aller aussi rapidement dans l'exécution de tout ça. On ne voit pas où est l'urgence. Selon le plan divulgué par la direction d'Ouest-France, pas de licenciement sec. Laurent et ses 6 collègues seraient reclassés ailleurs au sein du groupe en septembre 2019. Presse Océan Saint-Nazaire existerait toujours en kiosque grâce aux infos fournies par les journalistes nazériens de Ouest-France. J'ai entendu dire, oui, mais c'était le même groupe de presse. Ben oui, non, mais c'était des rédactions tout à fait différentes. Et c'était des regards aussi différents sur la ville et interprétations différentes. Donc oui, c'est une triste nouvelle. On peut s'interroger sur quel serait l'intérêt demain du lecteur de Presse Océan aujourd'hui de continuer d'acheter Presse Océan avec un contenu Ouest France. Ça signifierait à terme la disparition, certainement l'édition de Saint-Nazaire, et à terme, on peut penser de Presse Océan. Lundi prochain, direction et syndicats du groupe Ouest-France se rencontreront. Les salariés de Presse Océan seront en grève. Ceux de Ouest-France, du Maine Libre et du Courrier de l'Ouest, réunis en Assemblée Générale, pourraient bien leur emboîter le pas.